Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre une chorégraphie de Christelle Durand qui s'appelle Like I Love Country Music. La musique s'appelle de la même manière, de Kane Brown. La chorégraphie fait 48 ans, 4 murs, un tag et puis une petite pause au niveau de la musique qu'on sera obligé de suivre aussi au niveau de la chorégraphie. Elle est de niveau intermédiaire facile. Première section, on va commencer avec un Wizard Steps en diagonale avant-droite. Donc un pas en diagonale avant-droite, on bloque le pied gauche derrière le pied droit et on refait un petit pas en diagonale avant-droite. Là pour l'instant, on va se concentrer sur le Wizard Steps puisque c'est vraiment important de le faire dans le bon tempo. Ça va nous faire 1, 2 et. Donc attention surtout, le premier temps est tranquille. 6, 7, 8, 1, 2 et. Et sur le 3, un pas en diagonale avant gauche. Et sur le 4, on claque des mains. Et on refait exactement la même chose. 5, 6 et 7 en diagonale avant gauche. 8, on claque des mains. On refait cette première section. Et j'insiste surtout sur le tempo. D'autant plus que la musique ne sera pas trop rapide. Donc on va vraiment pouvoir s'appliquer sur les comptes. 6, 7, 8. 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, 8. On le refait une petite fois et on continue. 6, 7, 8, droite, gauche, clap, droite, gauche, clap. On continue avec un step quart de tour. Un pas en avant, pied droit, on met le poids du corps sur le pied droit, quart de tour à gauche, on remet le poids du corps sur le pied gauche. Cross triple, donc droit, on croise le pied droit devant le pied gauche, un petit pas à gauche et on croise le pied droit devant le pied gauche. Deux fois, quart de tour à droite. Quart de tour à droite, pied gauche en arrière. Quart de tour à droite, pied droit à droite. Et à nouveau, cross triple, cette fois-ci avec le pied gauche, donc vers la droite. On croise le pied gauche devant le pied droit à droite, et on croise à nouveau le pied gauche devant le pied droit. On refait cette section-là. Step quart de tour. Un pas en avant, pied droit, quart de tour à gauche. Cross triple droit, quart de tour et cross triple gauche. Avec les comptes cette fois-ci, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Et on finit bien le poids du corps sur le pied gauche surtout. On refait ces premières sections, les deux. 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Troisième section, stomp droit à droite. 1, sur le 2, rien, une pause. Et on ramène le pied gauche à côté du pied droit, à nouveau pied droit à droite et touch, gauche à côté du pied droit. On fait un peu la même chose de l'autre côté, stomp gauche à gauche, une pause. Cette fois-ci, au lieu de ramener, on va croiser le pied droit derrière le pied gauche pour faire un quart de tour à gauche et pied gauche en avant et un scuff droit en avant. Donc on tape le talon sur le sol derrière en avant. On refait cette section, ça nous donne stomp, une pause et on ramène à droite, touch, stomp. Une pause derrière, quart de tour et scuff. Avec les comptes, 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, 8. On enchaîne déjà ces trois premières sections. 5, 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, scuff. On a le poids du corps sur le pied gauche et on continue avec un stomp droit en avant sur le 1. Sur le 2, une pause et on ramène le pied gauche à côté du pied droit en mettant le poids du corps dessus et pied droit en avant. Et là, sur le quatrième temps, on va faire un quart de tour à droite, on reste bien sur le pied droit et un hitch gauche, donc on va donner un petit coup de genou avec le genou gauche. On continue, stomp gauche croisé devant le pied droit sur le 5, sur le 6 une pause et sur et 7, 8 on va faire un rock step à droite, on revient sur le pied gauche et on croise le pied droit devant le pied gauche. On refait cette action là tranquillement pour l'instant, on a fait notre scuff droit. Le stomp droit, une pause et on ramène pied droit en avant, quart de tour hitch, stomp gauche croisé, une pause et pied droit à droite, gauche on revient et on croise. Maintenant on essaye avec les comptes, 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, 8. On reprend déjà ces 4 premières sections du début. 5, 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, 8. On continue avec un rock step à gauche,
Donc sur le 1, on met le poids du corps sur le pied gauche. Et sur le 2, attention, on va faire un quart de tour en remettant le poids du corps sur le pied droit. On fait notre quart de tour à droite, on est vers 6 heures. Triple step gauche en avant. Gauche, on ramène et gauche en avant. Rock step en avant droit sur 5, 6. Et attention, on va ramener le pied droit à côté du pied gauche sur le et. Talon gauche en avant sur le 7. Sur le 8, on va faire une pause. Et sur le et, on ramène le pied gauche à côté du pied droit en mettant le poids du corps dessus. Et on est prêt à enchaîner sur la section suivante. On refait cette section-là pour l'instant tranquillement. Rock step à gauche, quart de tour à droite en revenant sur le pied droit. Triple step gauche en avant. Rock step en avant, pied droit. On revient sur le pied gauche. On ramène, talon gauche, une pause. Et on ramène, on remet le poids du corps sur le pied gauche. Avec les comptes cette fois-ci. 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6 et 7, 8 et on continue sur la section suivante. Pour l'instant, on refait déjà tout ça du début. 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6 et 7, 8 et on a le poids de cœur sur le pied gauche. Dernière section, rock step en avant droit sur 1, 2, coaster step en arrière pied droit, on ramène le pied gauche à côté du pied droit en avant. Ensuite, on croise le pied gauche devant le pied droit à droite, on a le poids de cœur sur le pied droit et on est prêt à faire un sailor step gauche avec un quart de tour à gauche. On croise le pied gauche derrière le pied droit, on a commencé à tourner. Pied droit à droite, on a quasiment fini de tourner, on est vers notre mur suivant et pied gauche en avant. On refait cette section-là. On avait terminé le poids de cœur sur le pied gauche, sur le et, on avait ramené assez rapidement. Rock step en avant droit, on revient sur le pied gauche, le coaster step droite, gauche, droite. On croise le pied gauche devant le pied droit à droite, et le sailor step avec un quart de tour à gauche. On a terminé notre mur, on a le poids du cœur sur le pied gauche, et on est prêt à reprendre en avant avec les wizard steps, en diagonale. On refait cette dernière section, on enchaîne avec le début du deuxième mur. 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2 et 3, 4. Encore une petite fois, 5, 6, 7, 8, 1, 2, coaster step, on croise à droite et sailor car. 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, 8. On est prêt à faire notre premier mur en entier et bien sûr on l'enchaîne toujours avec les quelques pas du mur suivant. 5, 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6 et 7, 8 et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2 et 3, 4. Maintenant, si votre premier mur fonctionne, on est prêt à enchaîner le deuxième, troisième et quatrième sans s'arrêter, lentement surtout, mais avec les comptes. 5, 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6 et 7, 8 et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6 et 7, 8 et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6 et 7,
8 et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8 et on reprend du début. Notre tag, il fait 4 temps et il se trouve après le 5e mur. Le 5e mur, on l'a commencé face à midi, on le termine face à 3 heures. On rajoute donc 4 temps simplement, un pas en avant pied droit, hitch gauche, quart de tour à gauche, pied gauche à gauche et pointe droite à droite. En même temps, on plie le genou gauche. C'est tout, on a le poids du corps sur le pied gauche et on est prêt à reprendre du coup face à midi, comme le premier mur, avec nos wizards. On refait simplement ça, pied droit en avant, le hitch, quart de tour à gauche, pointe et on plie le genou gauche et on reprend. Donc pour le principe, on va enchaîner la dernière section du cinquième mur, donc c'est notre mur de midi, donc vous le connaissez bien. Cette cinquième section, c'est rock step droit en avant, on revient coaster step, on croise à droite, c'est leur quart de tour et on enchaîne sur notre tag. 6, 7, 8, rock step, coaster step, on croise à droite, sailor step, droite, hitch, quart, pointe, à droite, lock, droite, gauche, clap. On refait la même chose avec les comptes. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2 et 3, 4. Ensuite, on va danser en entier notre sixième mur qu'on commence face à midi. Le septième mur qu'on commence face à 3 heures, on va danser uniquement deux sections. On termine la deuxième section face à 6 heures en faisant notre cross triple gauche. La musique ralentit, donc vraiment on est obligé de l'entendre, on est obligé de faire ce break. On va marcher en faisant un demi-tour vers la gauche, mais vraiment tranquillement. La chorégraphe ne précise pas combien de temps et combien de pas, puisque de toute manière, une fois qu'on est arrivé face à midi, tranquillement, la musique va reprendre en disant 1, 2, 1, 2, 3, 4 et on reprend de plus belle notre mur de midi et on continue comme si de rien n'était jusqu'à la fin de la musique. Allez, cette fois-ci on a tout vu, sans plus attendre, cliquez sur le premier lien dans la description et on va danser la chorégraphie en musique.